grosse nouvelle pour nous fanatiques Cotel TV Show. Émission télévisée nous sorti finaliste dans la catégorie Top Compat TV Show dans la première édition Haitian Music Awards. Jouez pour nous kounya à partir 5 septembre pour 5 décembre, votez pour Cotel TV Show. Quel que soit côté né dans monde là, ou capable voter sur haitianmusicawards.info/vote ou soit voyez un texte sur 737 210 422 et puis tapez Cocktail TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre pour arriver 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show comme Top Compat TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cocktail TV Show. Semaine ça, nous gagnons une émission surchargée d'activités et les unes plus intéressantes que les autres puisque nous t'es dans un week-end côté t'es gagné International Reggae and World Music Awards 35e édition et Haïti t'es bien représenté dans bel événement ça. Nous gagnons un paquet d'autres événements que n'a parlé de Aswaya, par exemple, et la soirée hommage à Joe Damas. D'ailleurs, Joe Damas que nous gagnons pour nous rencontrer et dans quelques semaines. Donc, et chez Cocktail TV Show, qui n'a pas capable ou interview que n'a pas présenté nous, ou interview avec Joe Damas. Nous pourrons gagner, bien sûr, la belle et intelligente Naïli Fanfan, n'a bien tout pour rentrer dans la cuisine au King Creole Restaurant avec Chef Céleste. Mais juste avant tout ceci, nous allons introduire nous un artiste, un musicien, un producteur de musique qui n'est pas haïtien, mais pourtant qui est très versé dans la culture haïtienne. Non, c'est Aaron Fishbein. Il est sorti Cincinnati, mais ça fait des années que l'est intégré, l'est embarqué dans la culture caribéenne et particulièrement la culture haïtienne. Faut me dire que la vive dans Côte Haïti et pas l'autre bord là oui hein, et l'église Notre-Dame. Quand des monde qui pas même connaît que le réside là, mais lui-même l'est témoin oculaire de l'évolution et communauté haïtienne dans sud Floride là, li versé là dans culture nous, li et mango avec et haïtien bon amis, c'est haïtien. Donc et pendant ce temps là travaille sur plusieurs projets. Donc Aaron Fishbein après dit nous plus de activité et ça qui était plus marqué maintenant le Malakai Aaron c'est tableaux et ancêtres nous yo les pères de notre indépendance qui bien installés et la Kylie et c'est un bail qui t'est frappé. Donc Aaron Fishbein, chers amis et spectateurs. Hello everyone, I am in the middle of Little Haiti in Miami, in the home and studio of a very prominent and very busy music producer and musician, Aaron Fishbein. He's from Cincinnati and he's been in Miami since the 80s. Late 80s. So he moved to Miami, where he is in the middle of the cultural diversity of Miami, which is a very energetic and very also very inspirational, right? It's amazing. Aaron? Yeah, all the cultures are amazing. So from Cincinnati, you move here in Miami, and you be in the midst of all that, of the changes. So yeah. How it changed your life too? Well, I mean, I've been in touch with all these different cultures down here. And Miami is like, it's not really part of the United States in a way. It's like... It's different. Yeah, I look at it like it's like the capital of like South America and the Caribbean. You know, it's like... So, I mean, if it wasn't for being here, I wouldn't know about, you know, Haitians and
and all the Jamaicans I've worked with, and people from Bahamas and Barbados, and you know, every little island, and then every different country in South America. And I think people in the rest of the country look at it as just, you know, like South America kind of, you know, where it's like, I know the difference between Argentina and Venezuela. Yeah, you know, very different. You know, but not not all Americans are that. Right. And can we say that he was meant to be? Because in a very young age, you were exposed to Bob Marley music back in Cincinnati. From your grandfather. Yeah. My grandfather was an interesting guy that traveled around the world a lot, the Africa and India, China, and all over. And he had this really cool little sports car, and he loved Bob Marley. And when I was like a little kid in the 70s, I'd drive around with him, and he'd bump Bob Marley and sing along. I mean, that's like was like normal to me. And you until know, you become an adult and a professional musician, you're like, okay. Yeah, like he was cool. Yeah, you know. And then this, the fact that you were exposed to Bob Marley music, that's also gonna bring you to work with Haitian musician like Patrick Pelissier. Exactly. Tell us a story. Well, I came down here to go to school, and I was going to music school at Miami-Dade. And New World School of Music. Mm-hmm. And there was another guy I was going to school with, Patrick Pelissier, a Haitian guy. And, you know, we'd be in music classes together, and he'd hear me playing. And one day he started playing some reggae, and he was like, hey, play along with this. I was playing guitar. And I started jamming along with it, and it was, like, natural to me because I kind of grew up with Bob Marley music. And he's like, oh, man, I'm working on a recording. I got to get you to play on. And we had, like, a recording class at that school. It was really cool. And so I played on that with him. And then he was putting together a band with some other Haitian musicians to go work. Including Jerry, Harold Estime. Yeah. So there I was. A friend of mine that I grew up with, I pulled him in to play drums. And so here's us guys from Cincinnati and like a bunch of Haitian guys playing reggae music and a little soca, a little ska, and we were playing on Ocean Drive, like before, you know, Ocean Drive was still half boarded up. It was, I mean, we went through a lot of changes. So so we're talking about in the 90s? Like 89, 90. Yeah. So this is where you get introduced to this different world, different genre, music genre. But you play several music, a type of music. Yeah. And several type of instrument too. Mm-hmm. Yeah, I grew up playing classical music, playing piano, and then I played French horn in the orchestra. But I always played guitar. And that's what I went to school for, is more composition and guitar. And then next thing you know, I'm like playing in bands and touring. And through that, really, I wound up joining a reggae band based out of Austin, Texas. And I moved there for a little bit. That was just another, you know, journey in reggae. And full of adventure and discovery. And for sure. More than 20 years after, you see all the changes. You travel around the world. You work on different projects. Mm-hmm. Which project has more impacted you? Wow, that's interesting. Man, that's hard to say because there's so many. I feel like I had different chapters. Mm-hmm. So there was that time when I was touring with reggae music and playing with a lot of reggae musicians, and that was amazing. I mean, we played a local band in South Florida. We played a Sunsplash in Jamaica. And then I wound up recording with Sly and Robbie in Jamaica. And that had a big effect on me. Because like Sly and Robbie are like the main biggest producers of reggae music. And so I would just hear, I was listening to everything that Sly Dunbar is the drummer. I just listened to everything he said and like soak it in. And that had a big effect on me. And then I wound up getting into pop music and recording. And
I worked on a Beyonce album that was really big album. I played guitar and bass on some big singles of hers. And what else? Another project. I played on a Brandy record that had Michael Jackson singing on it. Okay. So that was like huge for me. I didn't tell anybody about that because you just did. Yeah, no, but sometimes, you know, sometimes you work on a record and it doesn't come out. So, and you have a nice wall too of platinum albums that you have worked on with Enrique Iglesias. So all this experience and now you are living experience seeing the change in Miami. Oh, yeah. So now South Florida, like you just mentioned, is the capital of Latin America and the Caribbean. Mm-hmm. And you were in the backyard, you have behind, actually, next door, you have the Little Haiti Cultural Center. Yeah. The Little Haiti Cultural Complex. Mm-hmm. And so you walk to go to Big Night Little Haiti. Totally. Yeah. So how you live, you experience your all this cultural diversity? That's amazing. Because everybody's so open and friendly. I don't have any problem. In fact, I'd love like just walking around the corner to go to Big Night in Little Haiti. And everybody's so open and they're just having fun. And there's great food and great music and, you know. And everything. These days, what are the project that you're working on? A lot of different things. There's a project I did last year that I'm really excited about. It's going to come out soon, which is a movie I got to score about a guy named Henry Stone that started TK Records, which was the disco label. They basically made discos, Casey and the Sunshine Band and Betty Wright and Lattimore and all these great artists. And so I got to meet all those people and really delve into that Miami music, and I got to create the score for that movie, and that's going to be really cool when that comes out. It's coming out soon. I can't wait to watch it. Yeah. I like that type of story because that helps us to see the evolution of the music industry throughout the years. Yeah. There's a guy that was his partner named Steve Alamo in the movie, and he is just dropping, like, gems. It's giving like advice, life advice, and music business advice. It's it's really. I would like any musician should see it. It's amazing. Well, duly noted. Yeah. Aside from that, I've been spending a lot of time in Nashville this last year, and I have a couple different things I'm working on up there, and that's an amazing. Total, you know, talk about culture. That's totally different than South Florida. Yeah. It's a beautiful city, and people are so friendly, and there's just great musicians there. Like, the talent level there is, like, so that's, through this experience, are you considering to move to Nashville, or to open a new chapter of your life? Yeah, maybe. Mm. Maybe. Right now, I'm kind of, you know, jumping back and forth, so we'll see how things work out. And for someone who visiting South Florida, what would your best have your favorite spot to go in? Ooh, my in favorite Miami? Spot in Miami? That's tough. Because, I mean, I love going to Wynwood just to go hang out, and it has, like, great places to eat and clubs for nightlife. And but then there's, like, so many nature kind of things, like... I just went out to the Everglades recently, like at nighttime, and we don't even realize, like living in the city, how the nighttime, it doesn't really get dark. So I was out in the middle of the Everglades, like late at night, and the sky is totally black, and you can see all the stars, and that was amazing. And that's a good advice, and I will follow it, because we tend to get busy with... you know, our daily routine, and particularly when you are in the entertainment business, so so busy, so overwhelmed sometimes, and so you need to be connect to the nature. Little nature, yes, feels good. And that's good. Yeah. So I know that speaking about nature, you also traveled to Haiti. Oh yeah, I was in Haiti last year. And you stayed in Port-au-Prince. Mm-hmm. And
what were your reaction? New country, and so tell I'll tell me. You what, I had a funny experience there. Well, first of all, I loved it. It's full of so much energy, and I found the people also to be like really, really friendly, and the energy there in the people is nothing like I'm used to. It's just so full of life. You know, in Port-au-Prince, it's just everywhere. There's action and energy, and there's guys zipping around on motorcycles, and you know, the tap taps, and it's incredible. And I had my uncle told me they call it like reverse culture shock. Mm-hmm. Like I went there, and it was so amazing, and people are so full of life. And then I came back here, where there's so much more money and so much more material, everything here, and then but the people don't have the same, you know, happiness and the same life here, and it was kind of hit me more coming back here than it did going down there. It was kind of like I had to put the brakes on when I came back to Miami. I was like, you know, and that's a good point, because people tend to see what they call third world country, like just the problem, the issues, the poverty, but they don't see the humanity. And I think that what all non-Haitians, or you can say foreigners, that's what got attracted. And your testimony about Haiti and what you feel in Haiti, that's what usually foreigners are always bring back to, mm-hmm. like, wow, the humanity, despite the so much struggles, Haitian people have kept their humanity, and they are full of life, they want to live, right? And that's interesting observation. Mm-hmm. Yeah, I mean, it's not even subtle, it's like so obvious. It's just you go down there and the life there is so you know, vivacious. And with your souvenir, working with Haitian musicians like Patrick Pellissier, Howell Estime, Jerry, what would be your best souvenir of this band? Oh, from that band? Yeah. Well, like memories. Yeah. We went down to Belize for a month, and that was amazing. Just those characters in that band, and then we were like, I mean, it was still, this was about 1990, and it was still a little rough down in Belize. Like, I think it's more advanced now. Mm-hmm. Back then, it was like we're staying in places with no air conditioning, and there was people with, I mean, we'd wind up at people's houses with no floor, like dirt floors, and, mm-hmm. and going out on the islands, playing in little islands, where I'd see my guitar, my amplifier, all my equipment that I, you know, put my whole life together, you know, just going on a rickety boat, you know, like just watch it going off, like, oh wow, you know, like, might be the last time I see that. Oh my god, that was amazing. Yeah. And now your next chapter. So after more than 20 years as a professional musician living in the Sunshine State, your next chapter? Well, I'm still doing the same thing. You know, I'm writing songs, I'm producing music, I'm doing music for TV and film. And, well, I don't know. We'll see, you know. I mean, right now I'm kind of in between here in Nashville and continuing to work on good music with good people. Thank you very much, Aaron, to welcome me in your music kingdom. And my pleasure. I really like your LP collection. Oh, cool. And so I know that just being here, that you have many other projects, many other inspiration and creation for the music industry. Yeah, thank you. We were with Aaron Fishbank, music producer and musician with so much experience and living the Sunshine State experience, right? We're gonna take a commercial break and we come back.
Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail et création pour Boué Haïti Monté. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Yon mariage, belle voix, belle costume, belle couleur, belle coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir à l'amour tout temps. En nous tout à dit Yol des Roses, bravo, nan belle coup d'jaï qui a réuni Renette Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alert, à toute l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousier et Nicky Christ. Invité spécial, Diva Créole Internationale, Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Prends-tiquet au bonheur pour seulement $40 à partir 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, viens applaudir à Tisnouyo sous scène Miami-Dade County Auditorium. 2901 West Flagler Street, 6h30, porte qui a déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses, qui ont gros spectacle, qui ont gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à Picklist.com, Dédune Photographie, Compaïvette.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanès, Cocktail TV Show, Télé Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme dans Miami, Santla, Actela Management Group. Bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Gisèle Mésidor, directeur Café Olé Production, qui voulait faire nous tous connaître que Café Olé Production retourne avec Culture en Folie dans la Casa Champêtre, deuxième vendredi de chaque mois à partir de 10h dans la soirée. Venez découvrir une pléiade d'artistes, une pléiade de talents dans la poésie, chansonnette française, musique jazz, défilé de mode et tout ça. Pas oublier, rendez-vous à deuxième vendredi de chaque mois dans Casa Champêtre qui est dans Pembroke Pines, Florida. N'attend tout le monde à la ronde badée. Bien diverti. Ciao. Welcome back, everyone. Today we are going to talk about castings and fashion show. So let's say that you already have went to an audition and you got selected. And today is the day of the fashion show. You are backstage and you find out that you are missing some items that you really, really need. So what are the items that you should always bring with you? So today we're going to tell you the five top things that you must always have with you while you're going to a fashion show in order to be prepared, ready at all time. So number one, you should always have the proper underwear. So bring a nude underwear or a nude bra. What do I mean by a nude underwear or a nude bra? So any color that matches your skin tone, it could be a beige, tan, or brown or gray. A bra that matches your skin tone or a underwear, a panty that matches your skin tone. Why is it important? Because some of the outfit are going to be totally see-through and it will be the perfect color to blend in order to showcase the outfit to the best light. So it will not make sense if you were to bring a bright red or a bright blue, some other inappropriate colors. Bring black colors or colors that actually matches your skin tone. That will be really, really beneficial to merge and blend into any type of clothing, any type of designers, anything that they throw at you, then you will be able to have the proper underwear for that outfit. Number two is very important. You need to bring your own makeup. I am speaking from experience.
There are time. By the time they do all the models, let's say we have 30 models lined up, and we are backstage with our professional makeup artists. Everybody's getting in the chair and we are having hair and makeup done one by one. But by the time we said, show's on, time's up, line up, everybody needs to line up. And if you don't have your face already done, and this happens, sometimes we run out of time and you don't really have the luxury to have your full makeup done by the professionals. So, and it's time to actually be on the stage. The show is starting. What do? Then it's always advisable to always bring your own makeup. Then you can actually touch up real fast, put your foundation on, put your lips, look what was the look, what was the theme that they approved for all the models to have. Then you can actually do it yourself and be ready and be able to be really glamorous and really presentable on the stage instead of going with a bare face, nude face, and nothing. And when things happen like that, it's also applicable for your hair. Have a little basic tools and basic things for your hair. So in case we don't get the chance to do your hair, then you can, if it's a silk ponytail, then you can pull your hair and do it yourself. If it's a down do, whatever it is, then you have the ability to just do it yourself. So like I said, your own makeup and your own tool for your hair is a great, great thing to bring with you during the show. So number three is going to be a double-sided tape. A double-sided tape is something that you can find any beauty supply places or any local store such as CVS, Walmart. And what is a double-sided tape good for? Is a lot of time if we're giving you an outfit that is susceptible to open while we are on the stage, then as you are walking down the stage, you don't want to have any oopsie or any events where the clothes actually open and your breasts are exposed. So in order to avoid this to happen, we use double-sided tape. Then you can actually like secure the clothing from the clothing to your skin, and as you're walking, then there will be no chance to expose your nipples or expose your breasts. Then, now let's move to number four. Number four, it is very important for you to bring your own heels. At time, most professional fashion shows will have heels for you. They will have the shoes lined up. They have exactly what shoe they want you to wear or what brand. But worst case scenario, if there is an occasion where they do not have your size or they do not have the shoe for you, you need to have your own shoe. Then you can just put your shoes on. Or let's say the shoe broke or something happened. Then what's the backup? You need to have your backup just in case. I am not saying that they're not prepared, but a very professional model is always prepared on her own and do not rely all the time on the designer or the supplies provided to her. So what type of heels you should bring? As a model, you should always have those four basic colors. What are the four basic colors? We're talking about black, gold, silver, and nude. All models should have a black shoes, a gold shoe, a silver shoe, and a nude shoe. And depending on what they, sometimes the designer will tell you to bring the shoe. And sometimes the designer will already have the shoe lined up for you. But me as a professional model, I always bring my shoes with me. It shows that I'm professional and I'm always prepared. Now, what is the number five? The last tip that I'm going to give you as a model, what to bring during the fashion show while you're backstage to show that you're professional and always prepared, is actually a snack. Fashion shows, we usually call models on average of 2 to 3 hours ahead of the show. By the time you come, for example, 3 hours before the show, then you wait for the show, then you can be surprised that a good 8 hours can go by. And if you don't have a snack, you may go super hungry and cranky. So do yourself a favor and have your dry snack, your favorite snack, a fruit,
something as if you're getting hungry, you can just munch in or eat, so you can stay with a really, really great mood and be smiling on the stage. So let's recap. Those were the 5 tips for my models. So models, when you are going to a fashion show, you got selected. Congratulations. Be always prepared. Be professional. And remember those 5 tips. Bring your nude underwear, anything that matches your skin color. Have your own makeup and your own hair tool in your purse, just in case we are running out of time or we don't have time to do yours. Double-sided tape to secure secure the clothing with your skin in case that you need it. Have your heels as a backup and have your snack. I hope you enjoyed that. Thank you for watching. Have a great week and I will see you next time. Et Cocktail TV Show qui continue. Encore une fois, merci à Aaron Fishbein pour cette entrevue. Et comme nous t'avons constaté, il y a un pile et il fait un pile découverte avec la culture noire que l'y embrasser. Donc, on haïtien et de par ses relations, on haïtien de par rapport à côté l'y habiter, donc les cultiver, les vivre culture haïtienne, et ça fait nous plaisir. On continue maintenant avec la rubrique Film and Television, et ce matin, on a porté pour nous Dukunu. You're watching Film and Television segment on Cocktail TV Show. This was brought to you by the Motion Picture Association of Haiti. Film que nous avons présenté nos semaines à titré Dukunu. Dukunu, c'est un feuilleton qui sorti finaliste dans la catégorie Meilleur film coûte. Best Short Film dans la 6e édition Haitian Movie Awards. Écrit et réalisé par Saint-Anor Camillus, Dukunu gagne comme vedette Saint-Anor Camillus dans le rôle principal là, ensemble avec Lourdemi Bolivar, Wistinki Figaro, Charbout Pressandieu et Soudner Camillus. Je suis venu à la vie de la petite avant. À chaque fois qu'on passe dans la machine, toujours garder. Moi-même, tout le monde. Si ça a fini, oui. Quand vous voulez ça. Monsieur, j'ai mangé sa belle salade. Après, si fait dit qu'il était fréquent. Bon, si vous voulez vous aller à la caille, là. Dano, pas que vous allez vous aller manger, oui. Foutez bien quoi là? Dano, pour 25 euros. Et pour qui ça va manger? Parce que vous avez fait ma petit. Ça te passe, pour qui ça va virer comme ça? Aïe! Petit homme, fait tout manger ça pour pas manger, c'était pour te faire manger, du coup, non? C'est du coup.
Doukounou, chérie, doukounou. Ou fait moun pa dou pa manger doukounou, mon pa ta fèl comme ça. C'est doukounou. Ou ka c'est pas dit c'est doukounou, c'est doukounou. Doukounou. Oh. Asian Movie Awards a fait en Boston jusqu'à 6 novembre qui a venu là. This is Falia Justima. I'm the Florida Ambassador for the Motion Picture Association of Haiti. On behalf of the association, I encourage you to continue to push the efforts of the film industry. So buy Haitian movies, buy original movies, and encourage the filmmakers to continue with this great work. Thank you. It's Saskia Sky, and I'm here with Cocktail TV Show. Looking for a taste of the Caribbean right here in North Miami? Where fresh ingredients and your favorite Caribbean spices will delight your taste buds and the service will make you smile? Then come on down to Old King Creole Barbecue and Bakery. At Old King Creole, we specialize in three things: good times, affordable prices, and fantastic Caribbean food. So bring the whole family, bring your friends, and remember to bring your appetite for delicious, authentic Caribbean food. Old King Creole Barbecue and Bakery, located at 13695 West Dixie Highway, North Miami, Florida, 33161. Come on down the islands. Merci. Merci pour voir. Passion pour pays. Merci pour tout travail et création pour voir Haïti monter. Dimanche 30 octobre 2016, pour rendre hommage mérité à Yol des Roses, United Haitian Artists a présenté dans Miami-Dade County Auditorium Haïti Cœur de Femme. Haïti Cœur de Femme, ses résultats en pile travail. Un mariage, belle voix, belle costume, belle couleur, belle coup de tambour, belle harmonie, belle complicité entre plusieurs artistes différents pour célébrer héritage culturel nous, sous bannière fierté, l'espoir avec l'amour tout temps. En nous tout à l'dit, Yol des Roses, bravo, dans belle coup de qui a réuni Renette Désir, Richel Guillaume, Tamara Suffren, Annie Alert, à toute l'autre yo, sous direction maestro Fabrice Rousier avec Nicky Christ. Invité spécial, Diva Créole Internationale nous, Emeline Michel. Bénéficiez puis bon prix. Prends ticket au bonheur pour seulement $40 à partir du 15 septembre sur le site internet ticketmaster.com. Dimanche 30 octobre 2016, viens applaudir à Tisnouyo sous scène Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, 6h30, porte qui a déjà l'ouvrir. Tribute to Yol des Roses. Ils ont gros spectacle, ils ont gros rendez-vous. Spectacle ça possible grâce à Picklist.com, Des Dunes Photographie, Compaïvent.com, Le National, Le Floridien, Radio Haïti Amérique, Radio Planète, Radio Méga, Valérie Ocanès, Cocktail TV Show, Télé Anacaona, Bonjour Haïti, Island TV, Master V Productions, Femme na Miami, Sotla, Actela Management Group. Gros nouvelles pour nous fanatiques Cocktail TV Show yo. Émission télévisée nous en sorti finaliste dans la catégorie Top Compa TV Show dans la première édition Haitian Music Awards. Jouez pour nous, Kounia. À partir 5 septembre ou 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show, quel que soit côté dans le monde. Ou capable voter sur HaitianMusicAwards.info/vote ou soit voyez un texte sur 737-210-4422 et puis tapez Cocktail TV Show. Pas oublier, sorti 5 septembre ou 5 décembre, votez pour Cocktail TV Show comme Top Compa TV Show. Haitian Music Awards a fait 7 janvier 2017. La richesse de la Floride et la richesse culturelle des groupes ethniques du sud de la Floride, eh bien, c'est ça qui fait originalité zone ça, c'est ça qui attire les touristes. Tout. Et touristes et secteur touristique, là, c'est un impact économique dans la société. Dans le pays. Et en Floride, ils comprennent. Et faut me dire que toute force et secteur touristique, ça, basé sur diversité culturelle, et les hispanophones, et les caribéens, les africains, les afro-caribéens. Donc, c'est pour vous dire que, et pas bon ici, là, nous avons exploité en pile opportunité, et particulièrement pour nous-mêmes haïtiens. Et c'est avec un plaisir que m'a pas présenté nous toute diversité d'activités culturelles ça qui t'a gagné dans le week-end qui s'est passé. Semaine ça, n'a jeté projecteur sur Miami Fashion Film Festival, qui était fait sous 20 pour arriver 23 septembre dans Miami Beach Cinémathèque. Programme ça, qui sous 4e édition, a présenté un ensemble film et documentaire
qui a analysé aspect artistique, culturel et créatif secteur haute couture là, ou fashion, pas bon ici et dans l'autre pays. C'est dans l'année 2013 que une organisation caritative t'a lancé programme ça, une façon pour créer une plateforme pour encourager discussion entre acteurs dans secteur et engager société à dans conversation sur problèmes et opportunités qui gagne dans secteur fashion. N'apprendrez qu'on y a dans centre-ville Hollywood, côté chaque vendredi dans Arts Park, gagne une projection cinématographique à partir de 8h à souhait. C'est un programme gratis pour toute famille. Parents, timoun, mounager, débarquez dans bel parc artistique ça, à cachaise confortable, couverture, bien installé pour une belle soirée cinéma. Toujours dans la ville de Hollywood, dans samedi 24 septembre, le groupe Compayo, Harmonique et Moulou, a une belle prestation devant à peu près 600 fanatiques dans le nightclub Hollywood Live. Dans ville Hallandale Beach, chaque samedi soir, de 8h à 11h à souhait, c'est bel concert dans Gulfstream Park. Toute qualité musique, toute génération, années 40, 50, 70, 80, enfin, musique pour tout l'âge et pour tout goût. Toujours dans même vendredi, dans ville Pembroke Pines, communauté haïtienne te rend hommage à Joe Damas, une grosse personnalité radio en Haïti. Ikonza, qui gagne plusieurs décades depuis le travail dans le secteur communication en Haïti, a suivi un traitement médical contre maladie cancer en Floride. Pour aider et supporter le moment difficile ça, et pour collecter l'argent pour aider à couvrir des dépenses de traitement médical, plusieurs artistes, personnalités et monde communication, familles, amis et fanatiques, te mettent ensemble pour organiser une grosse soirée hommage à Joe Damas. Groupe Compa, PNP, Plaisir Napran, créer animation. Yon paquet à la trier artiste en coup Aubry Blague, Roupi le comédien, chanteur hispanique Papito Jag, musicien compas avec personnalité business music là, t'es là pour manifester reconnaissance, l'amour et respect yo à Joe Damas. Nan dimanche 2 octobre là, toute communauté caribéenne, communauté africaine et communauté afro-américaine t'es sorti pi belle tuxedo yo ak robe soirée yo pour 35e édition International Reggae and World Music Awards à WAMA, que Martin International Foundation t'a organisé dans le Coral Springs Center for the Arts. Tarissa Riley, Dean Fraser aka Black Soul Band, Spice à groupe comparaïtien Ecstasy, c'est parmi les artistes qui t'a animé belle célébration ça, qui t'a commencé à 5h avec défilé sous tapis rouge de personnalités importantes tant que vice-magistrat Ville Coral Springs, Dan Daly, finalistio VIP. Dans l'occasion ça, Steel Band avec Masqueraders Miami World Carnival t'a créé belle animation pendant tout défilé tapis rouge là. En pile média local et étranger t'a couvert événement. Jeune groupe compas Ecstasy qui c'est premier groupe haïtien qui jouait dans événement international ça, t'a porté bien haut drapeau haïtien. Assistance là qui était de diverses nationalités, t'a montré appréciation yo à prestation Ecstasy. Parmi artistes qui t'a gagné à WAMA Joussa, Jay Beats remporté toutes deux catégories haïtiennes. Best Haitian Entertainer of the Year et Florida Haitian Entertainer. Public haïtien t'a fait choix li Anissa. Bonsoir tout le monde.
Non pas moi, c'est Gisèle Mésidor, directeur Café Olé Production, qui voulait faire nous tout connaître que Café Olé Production retourne avec Culture en folie dans Casa Champette, deuxième vendredi de chaque mois à partir de 10h dans la soirée. Venez découvrir une pléiade d'artistes, une pléiade de talents dans poésie, chansonnette française, musique jazz, défilé de mode et tout ça. Pas oublier, rendez-vous à deuxième vendredi de chaque mois dans Casa Champette qui est dans Pembroke Pines, Florida. N'attend tout le monde à la ronde badée. Bien diverti. Ciao. N'ap suiv toujou Cocktail TV Show, nou lan denye segman emisyon an, In The Plate. E nan segman sa, kom nou konen lan, nou rentre nan cuisine au King Creole Restaurant Chichita sou 136-95 West Dixie Highway nan North Miami kote Chef Celestin. Toujou la pou recevoir nou a bras ouverts et le sourire aux lèvres. Chef Celestin, bonsoir et merci de fait pou akyeyi nou la kay. Pou konn son plezi, c'est car kay nous même que c'est kay nous tout. Bonsoir. Semaine ça qui sont présentés. Bon, semaine ça nous passer nous bay on nous n'a ba moun yo un lambifoui parce que n'a passé nous point tout petit Caraïbes là net passé point Bahamas, Saint-Domingue, passé Cuba. Cuba, nous mettons Saint-Martin rentrer Haïti, météo mais ça nous pas besoin descend Haïti vrai pour n'a fait tout petit ticket avion ça n'a venir là dans quel notre mami en dans au King. Et c'est bien dit parce que nous connaissons et nous-mêmes dans notre Miami ou plutôt dans le sud de Floride, nous toujours bail saveur et Caraïbes. Et c'est une particularité communauté et société et au cas dit société et le sud de Floride, c'est diversité culturelle ça qui gagne et étrangers auraient mais ça auraient mais côté spicy, côté très caribéen, très colorful ça que nous gagnons. Et dans aucun Creole restaurant où je vends ça. Donc chef avec lambi frit ça quoi ben aujourd'hui nous connaît lambi gagne en pile vitamine sur fruit de mer donc tout autre fruit de mer gagne en pile vitamine qui bon pour la santé et ou même c'est soit prenez. Bon on connaît c'est premier bagage l'argent pas qu'à faire rien pour sans ou pas gagne santé. Santé aussi dans main lié. Li pas dans main quoi que ce soit après bon Dieu fin ba ou li connaît assez pour gérer. Nous même au King n'a pas de gérer nous montrons oui pour Kimberly parce que l'argent pas pour remplacer vous et c'est soit mettre dans bouche qui bon qui bon santé. OK, à nous passer dans ingrédients chef dis nous. Bon là aujourd'hui ouais nous gagne oignon, nous gagne banane, nous gagne tomate, nous gagne persil, nous gagne piment douce. Ça c'est ça n'a prôné nous dit donc l'ambifriant on va nous avec on suggérer pour nous manger là avec un banane pesée. Oh yes, on connaît banane fait sorti dans on connaît côté jardin dans jardin hein? Mais malgré nous pas aller Haïti pour nous garder oui, naïf il faut faire travailler l'imagination hein. Oh yes, oh yes. Nous connait nous camper là nous on que notre mamie nous planter lui mais qu'on y a rejoindre tout petit bail ça là ensemble tout vert ouais tout vert. On y a c'est ça, un bon banane pesée. Pendant mentionner de jardin, en forme dit nous que si en Haïti nous parlait de jardin comme dit nous ouais c'est ça, c'est pas paysan, mais c'est étrange de voir que des pays avancés tant qu'aux États-Unis qu'on y a prôné un jardin de quartier. Côté il y a en anglais bien sûr de garden. Donc au Kawaii il y a plusieurs et community garden. Donc jardin quartier ou jardin communautaire plutôt. Ou joignez une notre mamie gagne une miraman me connaît gagne une photo d'elle donc en plusieurs côtés connier et yo prôné que mounio vini le samedi côté mounio a récolté au prend bagala depuis dans terre et son belle me penser que son belle idée que l'on fait image genre d'image ça pour mounio comprendre que écoute jardin en prend bagala directement dans jardin c'est lig vérité et c'est là tout ce que la vie hein ce que la vie hein voilà donc on a continué avec épice signature au King signature au King nous gagne piment douce nous gagne toutes sortes qu'on est
nous ka mettant dans li la zonyon persil céleri why not et ou blendel donc ça c'est et on c'est avec genre de recette ça yo que ou même ou toujours ou toujours faire manger boys na ok oui c'est eux même n'a prôné c'est eux même yo te montrer nous c'est ça que faire ouais n'importe quoi nous passer nous dit c'est eux même pour nous kembe pour nous manger parce que hey, ouais sacrivant dans ouais ah ou c'est eux même y a planté tomates oignons ouais c'est Obama manger qui fait Obama arrêter il fait 8 ans 9 qu'on est point oui, et nous même même lié ça même dans et White House dans la Maison Blanche il y a un jardin par et tout et Michelle Obama nous connaît son grande promotrice de et manger naturel pour la bon pour la santé et puis moi j'ai un œuf oui ça c'est vraiment ouais tout pour nous servir avec liquide zé c'est ça qui fait ouais zé ça nous montrer où c'est na fresh et naturel zé c'est vraiment c'est bon bagaille pour nous manger sans nous pas besoin comme pour aller White House n'a pas dans palais Washington DC n'a coûter un paquet l'argent pour payer ticket mais si nous venons dans au King n'a venir même soir Obama manger n'a venir en dans au King notre mamie et pour gain lait ou gain farine nous gain lait nous gain farine nous gain lambi bien sûr lambian ça ne va tourner sur lambian mais et certainement nous pas capable manger lambi si nous pas grand pickles oh ya yeah. Oh c'est ça fait ouais ça nous gain on pickles au King ouais c'est toute bagaille en au King si ou pas au King ou pas participer ou pas peut-être on en au King ou manque en bagaille donc chef dit nous et pour lambian nous connaît que il toujours dit si ou pa konn kuit lambi ou pa ka fè lambi parce que lambian ka gâté l'amour et ka tourner ou élastique nan bouchou pou pa ka valer ou pa ka craser lambian dis-nous ki sa ki particularité ki fè que lambian ka que comme grand jodi quand on dit que lambian ka gâté bon son bagage très simple mais tout monde connaît lambi seafood même son bagage qui très très fragile mais qui très fragile si tout lambi ou konnen poisson a droit contaminé ou gitan wè li mais lambian ou pa ka fin acheter un caisse lambi kon yo gade ou lambian tout nan bout de fè ki sa krive gen moun ki pran lambi ou mette vinaigre ou mette de l'eau citron de l'eau orange yo di pou lambian pour retirer sent lambian non ça son sent naturel parce que lò gade lambi lò gade ou a peut tirer en dedans comme moi même c'est monoboy ou connaît les maïti ou bien Jacques Mel comme ça ou a peut tirer lambian en dedans chez lambian c'est vraiment sent lambian c'est ça qui naturel lambian mais lò pas retirer tout ça ou ka contaminer qu'on fait lambian tourner un bout de fer parce que vinaigre by chemical ou prend zon ou prend tant qu'ou après prend un paquet acide ou mettez lambi tout gade donc nous prend et conseillant de chef Célestin fait attention les n'a cuite lambino et n'a profité et pour saluer tout le monde au bonne cap suivre émission ça donc chef nous va passer la préparation pour nous oui yes n'a regardé chef là cap badule mélangé avec lait donc chef Célestin premier soir faire c'est casser oignon vous mettez dans un bol et puis vous ajoutez lait dans cas ça c'est puisque c'est on son ka di c'est un type un plat bien spécial à préparer ou casser deux œufs oui ou casser deux œufs avec on mettez lait dedans mais qui quantité lait ou ka mettez on va faire des 8 onces lait avec pour deux œufs pour deux œufs yes okay. Donc mixage ça a fini fait what next donc on y a on prend épices on va épicer yes, on pisse l'ambien. Il est pissé lui. Donc là, fin et puis mettez pisse dans l'ambien, on y en mettez la farine. Là, on passe la farine. Quand y a là, on va passer ou remettre une petite lait, on passe dans lait azia pour qu'il ramasse lui. On y a plus qu'à fini ou après le sale donc et ma mettez farine pour et les spectateurs comprennent ou épicer l'ambien donc on mettez là dans épices que vous voulez hein que selon goût ensuite vous passez la farine donc farine dans le fin mélanger dans avec l'ambien ou mettez dans lait il y a parce que
Yes. Donc, on remettait l'encore dans la farine. Yeah. Son pour, façon... Pour le cas gonfler, pour le cas lag, y a plagué. Y a plagué. Et son il façon tout pour capable l'être et je son façon pour capable quimber farine. Nan. Oui, c'est pour ça. C'est ça fait même. C'est pour le cas quimber lui. On va mouiller lui. Première fois ou passez l'état de zéa? Ou capable ou passez deux fois, première fois ou bien tout souvent les pour qu'on est ou qu'a déjà passé on ou des monde qui déjà passé li avant même moi qui passé l'être l'ambia ou mouiller li ou passer dans farine même moi même on passe une dans l'état de zéa dans farine encore l'état de zéa pour carou nous préparer ça qui pour cabali pour ak l'ambiance ça c'est sauce l'ambiance même donc quatre sauces qui est une sauce pour accompagner et fruits de mer et puis on gagne bien sûr fameux piclise nous même haïtien rien et moi comment c'est très populaire étranger comment c'est rien quand piclise nous en pile nous dit haïtien pourquoi on piclise nous d'ailleurs toujours on piclise piclise vraiment monde qui connaît piclise c'est mesdames panyol yo qui gon secret là dans piclise là parce que c'est même mesdames panyol moi même t'a fait piclise m'te faire comme ça mais c'est l'aime m'ne découvrir secret dans piclise si tout piclise king là c'est mesdames panyol connaît ouais ça c'est nous bon lambia nous bon piclise banane pesée toutes ces fraîches naturelles ouais comment toute banane sorti jaune bien belle bien belle eh bien chef et toi pas l'ampile bon moi goûter lambia parce que avec Jean-Louis Jean nous ka regarder nous et m'a connait si caméra ka font zooming nous ka web gagné et l'ambiance bien jaune donc li très important pour garder ça tout parce qu'on va vous présenter un lambifri qui noir qui overcook ou reprendre donc bien jeune et compliment voilà après-midi quand il y a nègla tout il pas manger encore quand il y a bouche marée goumé pété qui ça t'arrivé parce que pas venir au king voilà voilà regarder TV pas faire ça OK alors et chef mes compliments il y a trop sauce sous l'ambine non bon moment de vérité Bon. Ah, on va quitter nous même. Assez résultat, m'a dit tout le monde. Résultat au king. C'est comme ça nous. Comme fait. Nous regardons. M'pa bataille pour marcher l'ambiant. Compliment chef. Donc l'ambiant bien cuit, bien épicé. Et puis comme nous connaît le secret, c'est pas gâter l'ambiant parce que tourner un élastique l'embouchon. Donc c'était l'ambiant fruits accompagnés de bananes pesées, présenté par King Creole Restaurant. C'était avec nous, chef Céleste, for a new flavor, a new taste. Je souhaitais que nous t'apprécions. Et moi, je toujours prends plaisir pour moi et déguster les plats proposés par chef Céleste. Encore une fois, si nous de passage dans le sud de Floride, invitez-nous et font un coup de pied dans King Creole Restaurant, qui est dans notre Miami. Et puis, merci à nous toutes qui t'as pas gardé nous. Merci à nous toutes qui toujours voyez feedback nous, qui pour nous capables toujours porter une émission et de qualité, une émission de diversité et une émission pleine d'informations. C'était avec vous, Farah Larieux, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cocktail TV Show. Bonsoir tout le monde.